Peut-être, monsieur, bonjour. Bienvenue sur ce bord. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le pasteur Paul Mukendi aurait pris la fuite devant la justice. Réaction de sa femme. Nous allons découvrir cette affaire qui fait le buzz actuellement. Le pasteur Paul Mukendi aurait pris la fuite devant la justice après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une mineure. La réaction de sa femme ici vraiment me dépasse, ça me donne froid dans le dos. Au départ, j'ignorais cette histoire. Je ne savais pas que c'était si grave, je ne savais vraiment pas ce qui s'est passé à l'intérieur, mais quand j'ai vu sa femme pleurer sur les réseaux sociaux, ça m'a touché. Elle explique comment la police a débarqué dans la maison, tout emporté, et comment ses banques ont décidé de rompre le partenariat qu'elle avait, elle et sa famille, avec elle. Vraiment, c'est grave, c'est dur. Mais je pense que nous devons écouter ça d'abord. Écoutons. Je suis triste. Je suis blessée. Je suis confuse. Mon mari. Comme vous le voyez, la femme est tentée de pleurer, c'est pourquoi elle ne parle pas. Les gens viennent la consoler. Vraiment, c'est un Mon choc. meilleur ami à moi. Oui. Oui. Mon amour. Si tu m'écoutes en ce moment, sache que j'aurais voulu que tu sois là. Prions pour qu'il puisse revenir auprès de ses enfants. Vous voyez ça, c'est un choc total. Nous a fermé tous nos comptes bancaires. On nous a fermé tous nos comptes bancaires, c'est ce que la femme est en train de révéler ici. On se lève un bon matin. Lorsqu'ils voient, parce que Stéphane vous a raconté l'histoire, mais je pense que il l'a raconté, c'était pas trop profond. Ils sont venus, ils ont pris mon mari. Et directement, vous êtes endormi, on frappe à la porte, vous voyez des gens qui viennent prendre votre mari, 35 enquêteurs qui débarquent, on l'accuse et d'agression sexuelle, on l'accuse et de fraude fiscale, on vient, on nous prend les enfants pour dire qu'il est un mauvais père, le tout à la fois. Wow. 35 enquêteurs, on a fouillé ma maison de fond en comble, dans les plafonds, partout. Et tous les comptes ont été bloqués, les bijoux ont été pris, les choses de valeur ont été prises. Et ensuite, on l'emmène au tribunal. Ils viennent, ils ferment tout. Je suis au Québec, ça va faire depuis 2013. Tous les gens avec qui on est arrivé en même temps, que je peux connaître, ont eu leur nationalité. Et moi, on a refusé de me donner. Ils ont bloqué. Pourquoi? Parce que je suis mariée à Paul Mukendi. C'est triste. Mes enfants sont nés ici. On se lève un bon matin, la banque vous appelle pour vous dire on n'a plus besoin que vous soyez nos clients. Vous vous levez un matin, Scotia t'envoie la lettre, TD t'envoie la lettre, les banques vous envoient les lettres, vous vous demandez, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous tombe sur la tête? Je suis triste. Je suis blessée. Je suis confuse. Wow, vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? C'est sa femme qui vient de parler. Elle est triste. Elle est confuse.
Elle est dans... Elle ne sait même plus où elle est. Comme elle est dépassée par les événements. Connaissez-vous ce pasteur? Connaissez-vous ce pasteur? Seigneur. Comment c'est grave ce qui se passe? Je vous rappelle que il a accusé d'avoir, il a accusé d'agression sexuelle sur mineur. Il a été même reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineur, sur une mineure. C'est-à-dire une fille qui n'a pas 18 ans. Vous voyez? Seigneur, le sexe. Le sexe. Que Dieu nous épargne tous de cela. Honnêtement. Que Dieu nous épargne tous de ce genre d'histoire. Souvent, quand on est en contact avec les humains, avec les hommes, avec son prochain, tout peut arriver. Moi, je ne peux pas le juger pour dire, oh, comment est-ce que tu peux coucher avec une mineure alors que tu es une belle femme comme ça? Moi, je peux pas le dire. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Vous voyez? Je ne sais pas ce qui est réellement passé. Et puis, je connais l'homme. Je me connais. Je sais que l'homme n'est pas parfait. Je ne suis pas parfait. Vous voyez, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas l'homme le plus magnifique de la planète, non. Je sais ce qui se passe aussi. Ou ce qui peut arriver lorsqu'on est en présence avec les femmes. Ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. Mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser parce qu'il y a certains pasteurs aussi, ou bien soi-disant pasteurs, qui font exprès de coucher avec les filles, là, même violer les filles. Ça, si ça arrive, dans ce cas, je n'en sais rien. Mais ça, cette situation, cette affaire a des impacts sur sa famille. Regardez sa femme en train de pleurer. Elle pense aux enfants. Elle dit, mes enfants sont nés ici, au Canada, au Québec. C'est au Canada que ça se passe. Oui. Maintenant que cet homme a pris la fuite, elle dit, oh, j'aimerais souhaiter que tu sois là avec moi. Parce que tout lui tombe sur la tête maintenant. Vous voyez pourquoi je vous dis souvent, écoutez les amis, écoutez mes frères. Si vous voulez prendre une femme, prenez une bonne femme parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver demain. Prenez une femme forte, une femme dure, une femme qui peut tout supporter. Une femme qui pourra vous épauler, une femme qui pourra gérer le mouvement quand vous ne serez pas là. Vous voyez? On ne se marie pas pour se marier. On se marie à une femme digne, une femme de force. Pas dans la bouche, pas une femme qui expose sa poitrine. Pas une femme qui passe son temps à se maquiller. Mais une femme qui est capable de prendre de très bonnes décisions et de pouvoir vraiment veiller sur sa famille quand l'homme n'est pas là. Voici la situation. L'homme est en cavale. L'homme a pris la fuite. Elle doit rester avec les enfants. Les enfants n'ont rien à voir de cette affaire. Ces enfants n'ont jamais demandé, sinon de vivre tranquillement, aller à l'école, manger, s'amuser et dormir. Vous voyez? Elle a dit que comme elle est mariée à cet homme, ils ont refusé des papiers, non? Ah, ils ont refusé ces papiers qu'elle recherche. Vous voyez, être marié à quelqu'un aussi, c'est aussi prendre beaucoup sur soi. C'est aussi prendre beaucoup sur soi. Vraiment, Dieu qui pardonne les pécheurs, s'il te plaît, Seigneur, veuille nous pardonner. Maintenant, touche son mari.
afin que le monsieur puisse vraiment revenir. Parce que fuir, ce n'est pas toujours la bonne solution. C'est une solution, mais ce n'est pas toujours la bonne solution. Il faut souvent affronter la réalité. Vraiment, je suis choqué. Je suis vraiment, je trouve choqué que ça interpelle tous les autres pasteurs. Tous les autres pasteurs, vous qui avez des églises qui couchez avec les filles en désordre là, faites attention des. Si le diable vous cherche, une petite erreur seulement là, l'accusation naît en même temps. Et tout ce qui arrive, arrive. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a certains pasteurs, vous voyez sur les réseaux sociaux, en train de crier sur tous les toits, en train de se taper la poitrine. Soyez humble. Soyez humble. Être homme de Dieu, c'est le plus facile d'être. Vous, même si vous n'êtes pas homme de Dieu, même si vous n'êtes pas pasteur, s'il vous plaît, veillez sur ce que vous faites. C'est-à-dire vos contacts. Si vous êtes en contact avec des mineurs, faites attention. Si toi, mon gars, tu sais que tu es une femme, il faut vérifier à ne pas être en contact avec les mineurs. Et il ne faut pas violer les filles. Parce que c'est le viol aussi. Le viol, c'est viol. Ou bien si tu vois que c'est chaud, tu risques de faire des bêtises, il est préférable de marcher seul. Oui, il est préférable de marcher seul au lieu de marcher avec des gens que toi-même après tu as violé. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Vraiment, je suis triste pour cette famille. Quelle tristesse. Prions pour que on trouve une bonne solution à ça. Et voilà. Comme vous le voyez, je ne peux pas juger, je ne peux pas condamner quelqu'un. Je suis tombé sur la pleure de la femme. Ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Son explication et tout ça. À qui la faute? À qui la faute maintenant? Laissez un commentaire et dites-moi tout. Tout ce que vous savez sur cette affaire, donnez-moi plus d'informations, je veux savoir. Ok? Je compte sur vous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Il y a beaucoup de vidéos qui vont venir. Alors, je vais balancer les vidéos après cette vidéo rapidement. Restez connectés.